Jamaïque Kingston à partir de dimanche pour arriver jusqu'à mardi. C'est un blé côté plusieurs haïtiens jeune invitation pour aller participer là-dedans représentant gouvernement mais tout l'autre parti politique et représentant organisation dans société civile là. Gen moun ki pral aller, gen moun ki pa pral aller. Non pas gon liste définitive mais nous confirmé par exemple dirigeant RNDDH à présent, directeur exécutif réseau national Cap Défend et droits moun dans pays d'Haïti, RNDDH monsieur Pierre Espérance, confirmé pour Radio Kiskeya à la présent dans un contrat qui a fait sorti 11 pour arriver 13 jeunes dans pays la Jamaïque et la participer dans blessa CARICOM organisé sous crise pays d'Haïti qui invité plusieurs acteurs haïtiens pour venir discuter sur situation pays. Dans interview li bay Radio Kiskeya jodi à la tête RNDDH tant fait connaître présence li nan Kingston pavle di pour autant li espérer ap gen une solution y ap joine nan crise maman Pemba sa pays d'Haïti a fait face ak li mais tout ap gen un accord politique entre acteurs mais li pralé c'est parce que c'est pour ça CARICOM représenté et pour nous dans région et Haïti c'est même CARICOM en plus de ça tout réalité ressemblé ak nous et d'après ça il dit concernant décision présidente HCTA Madame Mirland Hippolyte Maniga qui pas présent dans rencontre ça défenseur droit mon nan fait connait HCTA et pas gain aucun pouvoir n'a cité et yo pas capable engager tout HCTA pas capable engager pays dans aucun dossier li rappeler rôle HCTA c'est conseiller premier ministre de facto Ariel Henry et puis renforcer pouvoir de facto n'a attendé directeur exécutif RNDDH monsieur Pierre Espérance dans micro Hervé Noël. HCTA, il n'a pas eu aucun pouvoir, il n'a pas capable d'engager le pays dans rien. Seul pouvoir et HCTA gagné comme attribution, c'est conseiller Dr. Ariel Henry et puis tout, c'est renforcer le pouvoir au premier ministre qui est président, le premier ministre, le ministre intérieur et puis en même temps tout, le ministre justice. Donc, et si dans notre madame Maniga sorti, il y a qui, et côté qu'elle lui dit, et forum qui a été organisé pendant deux jours dans l'hôtel Caribe, ces promotions qu'on a fait pour question de dialogue national, eh bien, ça, je suis capable de dire, sans honte. Ils ont fait deux jours, ils ont invité moun pa yo, et viennent et combler ça là, et puis pour décider, ça a ouvert. Et puis, pendant ce temps, esclaves mentaux, en pile là-dedans, il y a cléonné pour dire tout. Que mais y ont fait y ont fait dialogue moun pa vini y ont invité yo et puis mes cousins y ont parlé et Jamaïque sous invitation et sous l'obédience et CARICOM alors que moun qui pas dans pouvoir qui pas dans accord 11 septembre 21 décembre que y ont invité dans Jamaïque y ont pas invité dans forum et qui t'a fait soi-disant forum et y ont fait y ont dit y ont fait sous sécurité avec question réforme constitutionnelle et CEP nous-mêmes nous répondons positif nous pour aller dans et Jamaïque nous pour aller. Et premièrement, pour ça, CARICOM représenté au niveau géographiquement pour nous. Et deuxièmement, il semblait avec eux. Il semblait avec nous. Nous ne pouvons pas aller parce que nous connaissons réunion ça a débouché sur un accord politique, non. Parce que c'est pour faire un accord politique, il faut que les gens qui peuvent payer en otage, qui pillent l'État, qui fait alliance avec PHTK gang qui mettent pays en Italie, il faut qu'ils prennent conscience que la situation n'est pas carrée comme ça. Et ils ne prennent pas conscience. Eh bien, et vous ne pouvez pas venir à cause ça. Seul accord qu'on est capable de joindre pour mettre pays dans route état des droits, c'est accord population. Les populations en frappe pied, ils lèvent et campent, et bien les ça, tout gang à cravate, à costume, à sa patte, y a suspend terroriser population, y a suspend que le pays est en otage. Nous pouvons aller parce que c'est CARICOM, mais j'aimerais dire, c'est pas parce que nous pensons que qu'il faut aller un accord politique. Qu'on y là. Les ou garder tout, les non évaluer comportement CARICOM vis-à-vis Haïti depuis 2016 pour arriver journée aujourd'hui et pas quoi nous pas ouais ont participé dans gangsterisation pays là, ils pas participé tout dans cautionner ou bien à supporter pouvoir et le régime totalitaire qui mettait pays là côté lié journée aujourd'hui à côté que monde pas capable de vivre monde qui était comme qui activité yo qui était capable de vivre dans pays là journée aujourd'hui et yo dans misère
par rapport avec Jean régime PHTK et gang série des pays qui donc nous pas capable et nous pas capable de gagner, nous pas capable de gagner même position avec autorité haïtienne parce que c'est pas les États-Unis, parce que c'est pas Nations Unies, c'est pas mission Nations Unies, hein, c'est pas BINI, c'est pas Canada qui fait une invitation et pour y attaquer comme ça. Nous pour aller et mais j'en nous dit lui c'est pas parce que nous croyons que a gagné un accord qui sorti et dans 3 jours en contre ça dans Jamaïque. Monsieur Pierre Espérance, directeur exécutif NDDH qui est présent. L'autre personnalité qui est présent, c'est le dirigeant Mopod, l'agronome Jean-André Victor. Il y a 7 raisons qui font le mouvement patriotique populaire des Saliniens Mopod à répondre présent.